Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous avons des regrets de voir que Tony Mwamba allait remédier la situation des enseignants. Mais il est venu encore détruire l'enseignement. Moi, je suis à l'EP1 et de Kabalo. C'est une école depuis 1958. C'est une vieille école. Ce n'est pas une école de Willy Bakonga. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons désactivés. Pour quelles raisons? Vraiment, s'il faut démissionner, qu'il démissionne, qu'il démissionne, qu'il démissionne. Au chef de l'État, vous avez prôné la gratuité de l'enseignement. À notre grande surprise, l'un des warriors, M. Tony Mwamba, qui ne maîtrise même pas le ministère, il est venu créer encore un grand désordre, plus que Willy Bakonga, plus que Willy Bakonga, plus que Willy Bakonga. Nous savons que la place de M. Tony Mwamba, c'est au palais de la justice. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Qu'il aille au barreau juger ces dossiers qui sont là. Soit et payaye Tony Mwamba. Problème enseignant et zawapi. Ce qui est colle na yo et koufi. Problème enseignant zawapi. Lui, depuis qu'il est ministre aujourd'hui, qu'il est devenu ministre, combien des écoles qu'il a déjà construites, combien des écoles qu'il a déjà créées, combien des agents qu'il a déjà mécanisés. Mais c'est étonnant de voir qu'il commence à désactiver des écoles où au lieu d'augmenter les salaires des enseignants, ils ont passé. Mais le lot, donnez-moi, il y a un cas bon. 2 mois, il y a un bon côté. L'enseignement, c'est un ministère technique qu'on ne peut pas donner à un juriste comme M. Tony Mwamba. Vraiment, il s'est fait fouter. Il y a un autre lobby gratuité. Il y a mis balé. Le corps la gratuité est quoi qui boum. Il y a un peu de temps pour désactiver boum. Et là, tu as combattu, papa qui se guette. Bilan à yo, et vous avez un négatif ou positif. Donc, il tenait moi, Ado, c'est la boy. Ado, c'est un zéro. Ado, quoi ça yo? Ma Mission TV, le miroir du monde. Yes, I'm a
Nous avons des regrets. Nous avons. Nous avons des regrets de voir que Tony Mwamba allait remédier la situation des enseignants. Mais il est venu encore détruire l'enseignement. Or, c'est le projet phare du président de la République. Quand on dit du peuple d'abord, d'abord c'est le social des personnes. Ce social, c'est l'emploi. L'unique emploi qui couvre toute la République démocratique du Congo, c'est l'enseignement. Mais aujourd'hui, il a fabriqué des chômeurs. Vous allez voir comment est-ce que l'exode rural doit s'amplifier. Alors, qu'il nous rétablisse à nos droits. Sinon, la rentrée scolaire doit être en cause cette fois ici. Vous appelez comment? Moi, c'est monsieur Ronsard Ngomo. Bon, on a une information militaire. Bisso, complexe scolaire Pandi. Banda 1990, Banda Zahir. Si les loyaux, tout ont fonctionné, l'école à Kala a arrêté à Kala depuis Zahir. Subitement, tu as mon à coupir. Mais tout ont été président Félix Tshisekedi, Nabila Naye, na projet Naye. Gratuité, nana chaki yango le boso. Mais Tony Mwamba ye, pour na kopoma gratuité. Or, l'État zana besoin ya bekol, oyo eza public. Puisque bana ba tanga, toto tanga ya ofele, toto tanga ofele melelo. Tony Mwamba ye ko kata biso ba mbongo. 2 mois yango toto zombongo te. Ndaku ba bayer, bazo bengana biso. Toto bimsa bilok, bana. Bon, tu vas vivre un dégénin. Or, son excellence, président, mais les lois, tu as cocoté, papa qui se quitte. Bilan a yo, et vous allez négatif ou positif. Tu as tenu moi, ado, c'est la boy. Ado, c'est na zéro. Ado, cosa yo. Ado, cosa yo. Soki que, ado, linga, cosa yo. Yo, moko, quitte sur terrain. T'es là. Administration Naye. Merci les journalistes pour la parole. Je voulais dire ceci. L'enseignement, c'est un ministère technique qu'on ne peut pas donner à un juriste comme M. Tony Mwamba. Vraiment, il s'est fait fouter dans ce ministère. Vraiment, s'il faut démissionner, qu'il démissionne. Moi, je suis à l'EP1 et de Kabalo. C'est une école depuis 1958. C'est une vieille école. Ce n'est pas une école de Willy Bakonga. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons désactivés. Pour quelles raisons? Si c'est... Et ces enfants-là, où est-ce que nous allons les caser? Où est-ce qu'ils vont étudier? Lui, depuis qu'il est ministre aujourd'hui, qu'il est devenu ministre, combien des écoles qu'il a déjà construites? Combien des écoles qu'il a déjà créées? Combien des agents qu'il a déjà mécanisés? Mais... C'est étonnant de voir qu'il commence à désactiver des écoles où au lieu d'augmenter les salaires des enseignants, ils ont passé. Bana oyo tokocha bango wap. Bekole wana topesi bana ba certificat. Bekole wana topesi bana ba diplôme. Ba maplôme wana Tony Mwamba. Ba ko considérer bango na ba université, ba ko considérer ango na Congo oyo ou bien té. Pona nini akosa la musala ya salité boy. École les a créé depuis 1958. Soyez là, Torobi boy, tozana problème na yete, azongi sambongo na biso oyo ya kangi, azongi sabiso a réactivé bekol, oyo eza non viable, aya kotonga yango, oyo eza na bafo arrêté, après sa bango ba arrêté ya malam, mais bekol fictive, wana vraiment, soki kokanga kanga yango, tozana problème na yete. Papa, biso na lolenge penza po koloba eza koboma. Na mukuse ke soka na tuni soit epaya ye Tony Mwamba. Problème ya enseignant eza wapi? Soki ekoli na yo ekufi. Problème enseignant eza wapi? Enseignant na problème okote yango tozolo ba bien. Ngai na osimba kaka to courir na loi cadre oyo moko opesa loi cadre nde yango ko signifie makambo ngai problème na ngai sena na kata loi cadre za wapi donc problème na tolo bepa ministre na ngai sala effort ozonga sima
zongisa makanisi sima tala loi cadre. Loi cadre est le belabiso et le komoko. Je tiens toujours à la loi cadre. Parce que yango to lobi gratuité yé. Yami balé. Le col la gratuité koyeki boum. Yango pe bino pe ko ici pour désactiver boum. Ce qui gratuité ko le koyaki eza malam. Maintenant bon compte à bon tala bisika bo ça gratuité. Nan bo tali be kolo boko bongisa te pour bana Congo va bénéficier. Mais bon bongi cité. Et les siga sengele ba bongi ça. Bino boye bo bomi. Tozo tuna. Boza na posa ya gratuité ou bien boza na posa na ngoti. Alors ngai ndenga na koloba. Bo sali malamu. Ba para ba bete bino maboko. Ba para ba lobike en tout cas merci ya fati. Pour na gratuité. Bongo modalité yango yango to ko kendele. Modalité za mabe. Et sengeli bo récompenser. Pour la croyer ba gratuité oyo boko salango ndenge nini enseignant aké na banque pas en bongo aké kuna a moné le côté oyebisi ya pe le ko mo côté deuxième mois pe ké ya zu mbongo té question a tuni bo révoquer ye ce qui bo révoquer il fait ça là première lettre deuxième lettre troisième lettre alors bo salango té mais ce qui bo révoquer ye vous pouvez payer des comptes finaux, vous pouvez payer des indemnités, comme ça l'ongwa. Parce que binon, vous révoquez. Le col a été révoqué. Vous salez à mon dengoana. Enseignant dans la zone lumière. Les singles à foutama, fati, ya fati. Les singles à foutama. Quand on est rêve, oyo, y a tonia quotité. Enseignant, coquille, vous allez négliger. Je vous le dis que. Et ça m'a la mouté de Sengi et que Azongi Sambongo ya enseignant le lenge à Tamboli et Zabongote et Zabongote et Sengeli à Tambola na logique. Je vous dis, je m'appelle Monsieur Mbala Félix. Nalobi et Paya Omonanga Félix. Bonjour en considération. J'adresse personnellement au chef de l'État. Vous avez prôné la gratuité de l'enseignement. À notre grande surprise, l'un des warriors, M. Tony Mwaba, qui ne maîtrise même pas le ministère, il est venu créer encore un grand désordre, plus que Willy Bakonga. Mais c'est malheureux, c'est regrettable. Nous savons que la place de M. Tony Mwaba, c'est au palais de la justice. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Qu'il aille au barreau juger ces dossiers qui sont là. Comme lui ne maîtrise pas les choses, qu'on trouve un expert à l'enseignement pour bien maîtriser les choses. Sinon, ça n'ira pas. Alors, il nous a montré de quoi il est incapable. Donc, ça ne va pas. Il a montré ses limites, son incapacité. N'est-ce pas? Son incapacité a montré ses limites. Alors, nous voudrions au chef de l'État de révoquer à l'immédiat, sans procès, M. Tony Mwaba. M. Adolphe Mounta, professeur, je regrette beaucoup, parce que lors des contrôles des agents de Secopé, ils ne nous ont jamais dit que voilà les critères que nous sommes venus. Ils sont venus faire seulement les contrôles physiques et voir aussi nos titres académiques ou les diplômes d'État. C'est tout. Ils ont vu aussi les bâtiments. Si l'école est mal construite, je crois que nos écoles sont des écoles conventionnées. Ils doivent traiter avec les confessions religieuses, ce n'est pas avec les enseignants. Hein? Ces arrêtés-là n'étaient pas élaborés par nous, les enseignants. Mais c'est le problème de la communauté, donc des confessions religieuses. Hein? Pourquoi nous désactiver injustement comme ça? Je suis enseignant. Et je suis dans ce collectif des enseignants des écoles désactivées de la ville-province de Kinshasa. De prime abord, nous sommes venus déposer notre mémo et il y a trois points essentiels parce que le ministre Tony Mwaba nous a montré ses limites. Il a désactivé des écoles sans pour autant suivre le processus au préalable. Sur C, nous demandons au Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Nous demandons au président de la République qu'il puisse trouver une solution
par rapport à ce, pour ce qui concerne notre dossier, parce que c'est grave, il y a des familles qui passent la nuit en dehors, il y a des familles qui vivent de, donc des familles qui sont en souffrance, je vous dis, cher ami. Merci. Ma vraie enseignant, ma vraie école est toyée pour n'être que tout dans un chef de gouvernement. Mon ministre est resté, Azoba a récupéré. Et ça, mon on a bu ça, tout le temps, ça, 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 biso ça, 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 autorisation. Et pas une abisso à la canne, à la poste, à la boue, à la boue. Ma camarade, quand ça les manabé école nabino, est-ce que vous avez une notification? Biso to lobby, t'es. Tant que vous avez un gars qui est là, vous avez un contrôle physique. Vous avez un contrôle physique. Si vous avez un gars qui est là, vous avez un gars qui est là. Vous avez un deuxième contrôle. Vous avez un gars qui est là. Et ce qui est le directeur provincial, il y a un troisième contrôle. Il y a aussi trois contrôles ou bien quatre contrôles. Alors jusqu'à présent, tout le monde a une solution. Il y a besoin de yé et pas inayo, premier ministre, ou Ario et Aliboso, parce que vous travaillez pour le peuple d'abord. Il y a un peu de temps. 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 Ce qui est l'école, c'est que les gens arrêtent les gens, les gens ont notification, les gens ont listing, les gens ont fait les lots, ils ont fait le travail, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail, ils ont enseigné tout le monde en réalité. Ils ont fait le travail, ils ont fait le travail, ils ont arrêté. Voilà. Allons-y, allons-y. Tokay, papa, Tokay. Ok. Biso toza qui n'a pas arrêté à apprendre à l'école, na biso va tout autant d'aki. Donc on gagne copé ça y a un autre parce que bino va musu botika qui liba. Libanda. Y a un autre lobby boy. Donc on les a bon on biso to bimi libanda. Donc on kenoko kuta na l'école nyonso. Oh ezana on lobby à partir à lobby. To kuta na tozo dossier moko. À lobby kaka lobby boy botika on soki bolingi musa na makamu na bino akende lombango. Botika on lobby. Ma si biso modalité awa. Modalité de Rosala Ezali, Bokomi, arrêté la notification. École, nombre d'élèves, nombre d'enseignants, naba combo na bango. Après Bozui, nom des enseignants dans le lobby, bureau gestionnaire, Bozana bureau gestionnaire Nini, Bokomi Ango. Et puis vous voyez le nombre de contrôles au bino basali bino école. Parce que le nombre de contrôles combien? Ce qui moyen zali au tiers date. Chaque date, au tiers date nango. Après lobby to e kokoti sayango awa. Alors tous ceux qui sont en abysson yon sont boyé. Nenga tous ceux y a tout kuta école tous ceux qui lobby. Nyemba. École na nyemba. Ceux qui tout kuta ni lobby chaque école. Bah lobby boti école moko. Chaque école y a l'abysson arrêté. Arrêtez à accompagner dans notre note de notification. Il y a un adresse dans le ciment. Il y a un lobby après toi côté Kango. Toi qui côté Kango lobby, tu repères ça pendant quelques deux jours. Tu repères ça pendant quelques deux jours. Tu repères ça pendant lundi, mardi, tu vas travailler dans une solution. Ce qui te met crédit, tu sors sous toi, tu sors sous Awa. Wana ne ma kamu biso to solo lina bango. Siko nenga to silisi awa. Tozo kene na parle de la nation. Taka siko tozo kene na parle de la nation. Tu to longo kuna parle de la nation to kene na cabinet ya mi la ministre. Tu to ke banda bandako. Voilà eloko o to kutu ko solo yango wana. Ah to ke lololi na ba délégation ya premier ministre. Premier conseiller na ye o ya ba enseignement. Alobi na biso boye. Eza na bonne voix. Mais avant que Bimagate, à quoi interpeller mon cousinaye, tout constitué par élément de Pessibisoawa, tout le monde a un lobby, tout le monde a un courrier. Par élément, tout le monde a arrêté, Nabiso, Nabamako, arrêté, mis en place Nabiso, Naba listing Nabiso, tout le monde a place Moko. Ce qui est sur place, tout constitué en haut, tout le monde a un lobby, tout le monde a un lobby. Ce qui est tout le monde a un lobby. Lobby, tout comme tout le monde, lobby awa pour avoir trouvé gana côté au bazar il n'a pas ça yango tout yango placement moko ce que ko kitrande encore les gens qui trande encore les coquilles ils sont les ali tout yango ce qui peut zater alors lobby na tongo to ya na ba elema wa na nyoso to
Alors, Ok, moi on m'appelle monsieur Claude Munkoro, enseignant à l'épée Ngemba. Nous avons constaté au mois de juillet que le ministre Tony Mwamba a désactivé des écoles, on ne sait pour quelles raisons. Nous avons fait des recours, il a envoyé des équipes pour venir faire des contrôles. On a fait des contrôles, le premier contrôle et le deuxième contrôle. Et aucune suite favorable de notre part. Nous avons introduit des lettres partout. Et aujourd'hui, comme nous avons vu que ça tarde jusque là, nous n'avons plus de suite favorable. C'est pourquoi nous sommes venus voir le chef de gouvernement. Parce que c'est lui qui est le patron. Et il saura nous donner des solutions. Nanobi Boye. Bekol Nabiso Eza Bekol Oeza qui créé depuis 1978. Biso toza batu oyo jeunesse na biso to sale en enseignement. Ministre même avant Kanga école et Sengela se référer à la loi cadre. Loi cadre et lobinini. Soko ko Kanga école ba jan ya l'état ba boto la bango salaire te ba futa bango salaire. Okozo bango che bango quelque part après oyebi ko bongisa ba école wana ozongi si bango. Mais ye en tant que juriste il semble kaza juriste. Juriste vraiment, je doute qu'il soit juriste. Je doute qu'il y ait un juriste. A qu'il y ait une loi cadre et lobby mini avant sanctionner Oya Sali. Le col a sali justement. Peut-être a sali volontairement et bien. Mais tu es ici dans 24 heures à restituer son salaire. A quoi priver son salaire? Tu es responsable de ma parole et ma famille. Et maintenant nous sommes menacés par des bailleurs. Et bien, on a besoin de la salle d'examen de tête. Vous avez besoin dans 24 heures à Zongi, c'est la salaire. Toi qui n'as pas besoin de toucher le salaire. Merci d'avoir m'accordé la parole. Nous, enseignants de la ville de Kinshasa, surtout, nous sommes en train de regretter. Nous déclarons notre salaire. Nous sommes 2 mois impayés. 2 mois, on ne nous a pas payé. Comment nous allons payer les loyers? On nous a désactivés. Depuis qu'on nous a désactivés, ça fait 2 mois. Bon, comment nous allons vivre ici à Kinshasa? Nous louons les maisons. Comment nous allons louer ces maisons-là? Alors, nous demandons au président de la République et au premier ministre de nous faire retourner nos salaires. Et aussi, on nous a désactivés sans toutefois nous envoyer la lettre. Brusquement, nous sommes désactivés. Comment nous allons vivre ici à Kinshasa? Hein? Alors, nous demandons, nous disons ceci, dans 24 heures, qu'on nous fait retourner notre argent. Sinon, en tout cas, nous irons chez le ministre pour dormir là-bas. Je clore par là. Ngai na zolo bana lingala parce que ezana batu mususu ba lobi eloko ko zala non ba arrêter ça mabe. L'état akokaki ko ngazie mutu te sans que aye bisiko azo sala. Akokoma bisika mutu azo sala. Tango mutu azo sala oye sika wana kontrole yo azo sala awa. Si ma pensi ye matricule pe abandi ko futa ye. Ezala ye Tony Mwamba a constaté que non, ezaba mauvais arrêté. Qu'est-ce que lui il doit faire de sa part comme il connaît ce travail? Il va changer les arrêtés officiels de l'État qui sont mécanisés et il va remplacer dans des différentes écoles qui ont des mauvais arrêtés et pour que ces jeunes gens ne soient pas pénalisés. Mais une chose étonnante, Nazomona. Tony Mwamba a eu 4 écoles, il a dit que non, mais l'école m'a arrêté. Mais il a dit que l'école a été arrêtée. Et il a dit que l'école a été arrêtée. Tant que le premier ministre, est-ce qu'il y a un monde qui a été arrêté ou qui a été arrêté? Il a dit qu'il a mécanisé les gens. C'est pourquoi tu as été arrêté. Et il a arrêté ou il a été arrêté.
lokola l'état apesa batu wana ba numéro matricule pe baza engagé ya azwa décision ya ko pesa bango ba arrêter mususu pe oza mécaniser be kol wana ezala en fonction. Donc deux mois na biso pe outi ko leka tozo senga esengeli a futango ce qui a futité na 2000 tozo ke 2023 plutôt 2023 te na septembre classe zate classe zate biso ba tout ko publier que non année blanche et puis yo chef de l'état ozo yeba makamunion so ezo leka awa bazo même sa vision na yo élection pe ezo ya po ba tout ba voter yo posa la 100% et sengeli yo otale la biso makambo oyo merci on a lingena lobela yangwana. Mission TV, le miroir du monde.